n'as pas d'enfant, tu auras un amour. Ne te casse pas la tête, il est là pour toi. Merci à mes bien-aimés frères qui m'ont apporté déjà leur soutien. Nous avons besoin assez de moyens pour organiser ça. Amen. Cette année, j'ai été trop attaqué. C'est-à-dire que c'était pas. Maintenant, c'est physique. Voilà, donc d'autres personnes voulaient me tuer. D'autres m'ont dit le prophète va mourir. Oui, il y a d'autres mystiques qui disent en fin d'année que le prophète va mourir avant de fin d'année. Ils ont dit. Et c'est des menteurs. Donc, j'ai bien fêté le 30e et puis je leur ai parlé. Je leur ai donné mon discours de. De bonne année. Yes. Voilà, je leur ai donné mon discours de bonne année. Voilà, donc, je leur ai donné. Vous avez vu quelqu'un qui menace toujours de mort. C'est moi, on menace toujours de mort. Nous, qu'on m'agresse. Donc, c'est le 30e. Je suis né le 1er janvier. Donc, le 30e, ça a même été un concert. Ça serait suivi d'un concert. On aura l'occasion de chanter toutes nos chansons. On aura la visite aussi de d'autres artistes qui viendront me soutenir. Amen. Donc, la prière. Et à partir de 23h30, nous allons commencer une série de prières pour vous faire introduire dans l'année 2016. Nous avons 30 minutes. Nous allons consacrer chaque mois à Dieu. Le mois de janvier jusqu'au mois de décembre, les 12 mois. Et nous allons prophétiser. C'est-à-dire tout ce que tu veux maintenant, là, que 2016 te donne, il faut commencer à les numérer sur une feuille. Et nous allons ensemble prier. Amen. Alléluia. Il y aura encore d'autres actions prophétiques. Par la grâce de Dieu, ce jour-là, il y a une action prophétique. Vous donnez du sel, vous allez aller asperger dans vos maisons. Voilà, vous allez chiter ça dans vos maisons. C'est une action c'est très dangereuse. Je vais vous donner du sel ce jour-là. Allez. Vous dites que celui qui va vouloir freiner vos pieds, s'il y a un élément dangereux de Satan sur vos chemins, il sera tous terrassé au nom de Jésus. Amen. C'est une action prophétique. Amen. Après ça, on aura coupé du gâteau et on aura le conseil jusqu'au petit matin. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie davantage. Amen. On dit amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu es béni. Alléluia. Voilà, donc nous sommes en train de préparer la chose. Hein. Celui qui veut apporter son soutien, il n'y a pas de souci. Vous voyez le responsable ancien ou le secrétariat vous adresser à apporter vos soutiens. Nous avons besoin de moyens pour vraiment organiser. Ça serait un concert en live.
un concert en live, parce que nous avons déjà les instruments qui sont arrivés. Le frère va retirer ça de l'aéroport. J'en beaucoup dit merci au frère Roger depuis Paris. Merci pour ce bien-aimé qui nous a aidé à acheminer les choses ici. Il a payé tous les frais pour que ça vienne en avion. C'est un frère qui est très bien. Vraiment, Roger, que Dieu te bénisse et qui bénisse ta famille. Amen. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Nous sommes en train de dire merci à Jésus. Parce que c'est le dernier culte de l'année. Amen. Amen. Nous savons que Jésus nous a bénis. Alléluia. Amen. Nous prenons Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Nous sommes en train de préparer la nouvelle année. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Amen. L'organisation au niveau du centre, beaucoup de choses vont changer. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous aurez l'occasion de parler, de nous avoir sur même les mails. Les choses, le secrétariat va répondre rapidement. Nous sommes en train de nous améliorer. Nous allons en train de concevoir un grand site web. Il y aura plein de choses. Voilà, plein de choses en matière de communication, un peu de rapidité, comme avoir le prophète. Il y aura un numéro spécial que je vais avoir spécialement pour ceux qui sont en détresse. Voilà, le secrétariat, vous appelez le secrétariat et vous donne le numéro, je parle avec vous. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'améliorer au niveau de la communication. Amen. Au fur et à mesure, nous allons nous améliorer par la grâce de Dieu. Parce que chaque jour, c'était plus de milliers de coups de fil que nous recevons. Il est vraiment souvent difficile de répondre à tout ça. Nous avons pour l'heure, sur soi, tout ce qui est Skype, nous allons relancer, parce que je suis en tournée européenne, nous allons relancer tout ça par la grâce de Dieu. Que Dieu vous fortifie. Amen. Voilà, soyez bénis et fortifiés. Nous prenons le livre de Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 1. Si vous y êtes, on fait la lecture. Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Amen. Dieu bénisse. Qu'on peut acclamer la parole de Dieu. Amen. Le message, c'était puissant, mais ça fait pas. On dit au commencement, c'est le premier verset et le premier livre. Amen. La Genèse créée au commencement. Et le livre de la Genèse a été écrit par Moïse. Moïse était vraiment un grand intellectuel parce que l'Égypte était la plateforme de l'éducation là-bas. L'écriture est née en Égypte. Donc il est né dans la maison de Pharaon. Il a appris beaucoup de choses et tout ça. Donc c'est Moïse qui a écrit beaucoup de livres, tels que Genèse, c'est que Exode, et ainsi de suite, beaucoup de livres, Deutéronome, jusqu'à Deutéronome. Voilà, le dernier livre, c'était Deutéronome, tout ça. Donc Moïse, il parle parce que c'est quelqu'un qui a vécu avec Dieu et la Bible dit qu'il a vu Dieu. Dieu lui parlait, Dieu parlait à Moïse. Amen. Amen. Alors, dans le passage, on dit au commencement. Vous savez, dans la vie de quelqu'un, il y a toujours un commencement. Et la chose, c'est-à-dire le commencement, la détermine la fin d'une affaire. Amen. Amen. Quand tu viens démarrer une maison, c'est le sous-bâtiment qui va t'intéresser. Une fois le sous-bâtiment est solide, la maison sera solide. Donc, le commencement de toute chose est important dans la vie de chacun d'entre nous. Amen. C'est pour ça que là, ne négligez pas le commencement. Oh, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa. Donc, c'est le commencement, on crée les choses. Alléluia. Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Il a commencé par les cieux, il a commencé par la terre. Et on dit que il y avait les ténèbres à la surface des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Non, fut. Amen. C'est vraiment très important. Amen. Il n'y avait pas quelque chose. Vous savez, au moment où Dieu parlait, j'avais que des ténèbres. J'avais rien. On dit que la terre était informe et vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme. Ce n'était pas le globe que nous voyons. C'était informe. Il n'y avait pas de forme. Amen. C'était ténèbres. On ne voyait rien. C'est comme dans ta vie est caractérisée par ça. On ne voit rien. On ne sait même pas ce qu'il doit devenir. C'est-à-dire, quand on dit à quelqu'un, lui, il avait des ministres, on dit, mais vous mentez, ta vie ne ressemble à rien. Tu es bizarre, comme un homme pauvre, misérable, c'est informe. Regardez ce que Dieu va faire. On dit, l'esprit des eaux mouvait, l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. La seule chose, c'est qu'il y avait la présence de Dieu au moment de la création. Or, la présence du Saint-Esprit, c'est ce qui fait toute chose. C'est ce qui opère le miracle, c'est ce qui fait toute chose. C'est le Saint-Esprit, c'est lui qui fait toute chose. Or, il est en toi. Amen. Amen. Il est en toi. C'est ça que la Bible dit que ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Maintenant que la chose informe est vide, il y a des ténèbres. Toi-même, tu vois que c'est une ténèbre autour de toi. Tu vois que tu as l'impression que tout te brûle autour de toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut parler à la situation. Amen. Dis amen. Amen. Il faut parler à la situation. Dieu a regardé.
Il a prophétisé la lumière. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Amen, il a une lumière. Frère, l'année 2015, c'est un forme vide. Tu ne sais même pas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un forme vide. Tu ne vois rien. L'année 2016, j'aimerais que tu dises quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est le commencement de toutes choses. Nous allons parler, c'est un forme vide. Mais il y avait l'esprit de Dieu. Et quand Dieu a parlé, vous savez, la Bible déclare que nous sommes des petits dieux. Ce qu'un homme déclare, c'est-à-dire tout ce que tu lis sera lié, et tout ce que tu délies sera délié. Voici l'année 2016 qui se présente à nous. C'est un fort. Tu ne sais même pas ce qui va se passer en 2000. Maintenant, tout dépend de toi. Si tu veux la lumière apparaîtra. Si tu veux le mariage apparaîtra. Si tu veux quelque chose, c'est maintenant. Tu regardes 2016 et tu commences à parler. Tenez-vous debout. Nous allons parler à 2016. Amen. Amen. Vous savez, l'homme ne récolte que ce qu'il a semé. Ah, tu n'as rien semé, tu vas récolter quoi? Amen. Amen. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Tu as semé quoi? Pour récolter quoi? Tu t'attends à quoi? Tu n'as pas semé igname, la récolte des ignames qui en brousse. Mais tu es un sorcier. Tu es la sorcellerie. Tes amis sont allés, prends l'igname en brousse, tu les suis. Mais tu as les fois quoi? C'est pas votre affaire. Amen. Amen. Tu as la plantation et tu n'as rien semé. Comme c'est la récolte là, bon, je vais prendre. Comme c'est 2016 là, non, on ne va pas comme ça en 2016. Qu'est-ce que tu as semé en 2016? Amen. Pour récolter quoi? Moi, je sais ce que tu as semé. C'est ça. 2016, il y a des choses que l'homme a apporté. Amen. Amen. Je dois briser avec le célibat. Amen. 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 Fatigue maintenant trop. Toujours les petits SMS. Les femmes me fatiguent trop maintenant. On me pipe. On m'envoie les SMS. C'est plein comme ça. Plein, plein, plein. On m'attaque avec les SMS. On m'envoûte avec les SMS. Donc il faut que quelque chose se passe. Amen. Je suis patient parce que je veux une femme. Une femme qui va me comprendre. Et bien il y a mon caractère. Je suis toujours parti. Une femme qui va comprendre ça. Amen. Cette femme-là, je vais prendre mon ministère. Donc, Amen. Il y a des choses que j'aimerais que ça s'accomplisse en 2016. Amen. Je sens que c'est le temps, que c'est le moment. Amen. Plus le ministère grandit, plus on a besoin d'une femme pour nous sécuriser. Amen. Amen. Sinon, si j'ai un vide derrière, je suis homme, ils vont m'attaquer. Amen. Parce que souvent, mes points disent, mais tu dis quoi? On parle de mariage, tu es là, c'est quoi? Amen. Moi, je suis prêt à te financer. Je souffre, hein? Oui, elle me dit ça, elle me traque comme on drague. Elle me dit ça. Que Dieu m'aide. Amen. Voilà. Amen. Que Dieu m'aide à avancer. Amen. Donc chacun d'entre nous doit parler. Amen. Amen. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile de vivre seul. Amen. Amen. Il faut que je me marie. Amen. Et puis elle dit, voici l'alliance. Amen. Vous dites, oula, je casse vos yeux, ne me regardez plus, c'est fini. Et c'est fini. Amen. Amen. Que Dieu m'aide à voir la femme idéale. C'est tout idéal. Amen. Amen. Je suis toujours parti. Moi, j'ai déjà chaud de caractère. Donc, je ne vais pas faire quelque chose dans ma maison. Je suis désolé. Franchement, je vais avoir tout. Amen. Là, je suis pressé par là à la maison. Mais tu as attention, t'es bien. Tu as fait délivrer un pays. Mais si tu iras, on va parler mal sur toi. Donc, c'est de tout ça la peur. Tu es obligé de traîner, de dire, oh, quand tu as quelque chose de doux, tu es pressé de rentrer, t'occuper de ta femme. Amen. C'est bon d'avoir une femme. Ouais, quelle que soit ton onction, quel que soit ce que tu es, sans la femme, tu n'es pas stable. Amen. Amen. Donc cette année, c'est le festival des mariages. Donc, on va commencer par lui. En tous ces mariages. Amen. Alléluia. Oui, parce que c'est le père qui marie ses enfants. Commencer par les mariés d'abord, et puis eux-mêmes vont venir maintenant célébrer mon mariage. Amen. Ça sera un festival des mariages. Donc Amen. Apprêtez-vous, hein. Amen. Vous allez manger les gâteaux. Amen. Nous allons prier ensemble. Et quel est ton rêve? Le Seigneur dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. La terre était informe, vide. Il n'y avait rien. Il y avait des ténèbres. C'est comme ta vie. Tu n'y as pas dessus. Tout est bizarre autour de toi. Tu te dis, mais est-ce que l'an 2016 sera vraiment une véritable année pour moi? Est-ce que ça sera vraiment une année?
Parce que je suis déjà trop endetté en 2015. Je suis très malade. Cette maladie-là, est-ce que je pourrais m'en sortir? Dis quelque chose, dis amen. 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 Dis à l'an 2016, toi cette année-là, c'est pour m'apporter la guérison. Amen. Toi, 2016, c'est pour m'apporter le bonheur. Or, oh, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Une bonne femme, bien sûr. Une femme. Je dois sourire. Amen. Alléluia. Amen. Je dois me marier. Je dois avoir un homme. Je dois être en bonne santé. 2016, je dois m'apporter le bonheur. Amen. Amen. Je sème en 2016 la richesse. Je sème qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait des personnes que Dieu mette à ma rencontre pour me bénir. Il faut parler en 2016, s'il te plaît. Ouvre la bouche, je commence à parler. Ouvre la bouche, je parle. Je commence à parler au nom de Jésus. 2016, la couleur de l'année, de gloire, de l'année, de miracle, de l'année, de bénédiction. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons, s'il te plaît. Oui, Jésus-Christ, nous voulons te bénir, nous voulons en faire la gloire. 2016, oui, au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Une année. À partir de ce soir, évitez de dormir après minuit. Évitez ça même. Amen. Amen. Rentrez tôt et commencez à vous préparer au rapport 2016. Amen. La chose est spirituelle. Amen. Amen. 2016 est spirituel. Donc il faut commencer à te préparer spirituellement. Avant 12 heures, avant minuit, faut rentrer. À partir de minuit, commence à parler. Chacun doit être à la maison, réfléchir. Ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Quels sont les gens avec lesquels j'ai marché, j'ai eu des problèmes. Quels sont ceux avec lesquels je dois me séparer. Bien sûr,
Je vous enseigne ça ici. C'est un ministère. Amen. Il y a des gens qui ne doivent plus m'accompagner en 2016. Franchement. Il y a des gens, tu as trop intercédé pour eux. Ça n'a rien changé. Et ça ne changera rien. Amen. Elles ne sont pas utiles. Qu'une branche ne produit pas comme ça. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est pour ça que quand Jésus a vu le figuier, il voulait les figues. Il a vu le figuier qui était stérile. Il avait quoi? Il a vu le figuier. Toi, tu ne peux pas venir, tu es dans ma vie, et puis tu joues au rôle de stérilité. C'est-à-dire que tu es plat, tu ne m'apportes rien. Dégage. Dis à quelqu'un, dégage. Dégage. Franchement, amen. Amen. Si il marche à toi, c'est qu'on doit, on va avancer. Ensemble, amen. Amen. C'est le principe de la vie. Dis-moi, avec qui tu marches, je dirai qui tu es. On dit voilà. Si. Et c'est tout. Dis-moi avec qui tu marches et je dirai qui tu es. Tu marches un volien, tu es un volien. Tu marches un voleur, tu es un voleur. Un prostitué, tu es prostitué. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Pour bien méditer sur ces paroles. Ce n'est pas n'importe qui va te conduire, t'accompagner en 2016. Commencer déjà à préparer. La bénédiction se prépare. C'est pour ça que quand Dieu venait bénir Abraham, il dit, c'est pas toi de ta maison, de tes parents, de tes histoires de temps. Malheureusement, il a pris et non, ça l'a rattrapé. Amen. Donc c'est ça. C'est pas une question de non, tu sais, c'est comme ça. Il y a longtemps, on a grandi ensemble. Il fait pitié. On a grandi ensemble. Il fait pitié. Si je le laisse, il va te manger demain. Amen. Amen. Avec bonne soeur pimentée, il va te manger. Alléluia. C'est pas une question de pitié, c'est une question de destinée. La destinée, là. On dit c'est les violents qui dans sa part. Il faut violence pour entrer. Même le royaume des cieux, là. On dit il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu de lui. C'est celui qui fait violence à Guillaume dans le ciel. Donc ne jouez pas avec votre destinée. Amen. Si vous n'avez pas le discernement, n'importe qui va vous renverser. Amen. Moi, c'est ici, c'est un ministère. Quand tu fréquentes ce ministère, tu vas grandir dans la tête. Voilà. C'est pas une question de non, c'est sentiment, tout ça. Tu es mon frère, tu es ma soeur, tu ne me fais pas avancer. Je t'envoie l'argent, quoi que j'ai ma maison, tu ne construis pas. Je te regarde, il ne sait pas de toi. Amen. Il n'est pas utile. Quitte ma vie. Chacun rendra compte. Quand tu vas mourir, ce n'est pas moi qui m'amène à tombe. Si je meurs, ce n'est pas toi qui m'amène à tombe. Chacun aura sa tombe. Ça veut dire que nous sommes là, nous vivons, chacun sa destinée. C'est clair. Amen. Amen. Celui qui ne t'apporte rien, ce n'est pas toi. C'est clair. Si on est ensemble, c'est pour ça que Jésus envoie les disciples, parce qu'on dit deux valent mieux que un. On a deux, on fait quoi? Si on n'a pas la même vision, on ne se sait pas. L'apôtre Paul a rencontré ça, il y a des personnes qui étaient dans le ministère. Et puis Satan les a gagnés après, ils ont oublié de se séparer d'eux. Amen. Amen. Oui. Donc réfléchissez à beaucoup de choses. Ne commencez pas déjà à réserver les bars, les casiers de vin. Non, tout ça là, c'est rien. On n'aura pas la nouvelle année. Parce que le spirituel, c'est ce qui fait le monde visible. C'est pour ça que quand vous lisez un peu le chapitre 1 de Genèse, on dit au commencement, Dieu créa les cieux. Les cieux qui sont le monde spirituel. Le ciel qui est le monde spirituel. Et après la terre, les choses de la terre. Or, nous ne commençons pas par les cieux. Les cieux qui est le monde spirituel. Dieu a commencé par le spirituel. Où vient la pluie? Du ciel. Donc, quand tu n'as pas préparé le spirituel, comment la pluie, l'exaucement va venir? Tu n'as pas réglé le spirituel. Comment le ciel s'ouvrira sur toi pour dire, ah, à telle période, tu as fait ça. Donc Dieu envoie la grâce sur toi en 2016. Il n'a rien fait. Et tu veux que tu sois tu béni. Par rapport à quoi? Vous voyez, Dieu est bête. Amen. Amen. Les gens pensent que Dieu est bête. Ils pensent que Dieu est obligé. Non, Dieu n'est pas obligé, frère. Dieu ne se sent pas obligé de nous bénir. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi on n'est pas d'accord? Je vous choque. C'est ça, il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il ne l'a pas invoqué, il va te répondre. Il dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Si tu n'as pas approché de lui, il va s'approcher de toi, pourquoi? De toi, lui qui a besoin de camarade. Amen. Tu es dans un danger, pas crier. Il te laisse. C'est quand tu cries, il vient. C'est comme ça, le principe. Au départ, Dieu, il est en train de nous chuchoter dans le. Et non, mes enfants, on l'a trahi. On l'a trahi. Au de ma chair, lui, on a dit, bon, Satan. Toi, tu es bon, hein? Tu dis qu'en devenir comme Dieu. Il dit oui. Ah, Dieu, c'est bon, hein? On sera maître, patron, dans le jardin. C'est fini.
Depuis ce temps, Dieu dit, bah, ok, prenez vos destinées en main. Prenez vos vies en main. Voici les problèmes. Donc, on a pris Dieu. Dieu s'en fiche de nous. Mais dans son amour, il va envoyer Jésus-Christ et va créer ce lien-là entre l'homme et Dieu. Amen. Amen. Donc, si tu n'as rien fait, Dieu ne fera rien pour toi. La vie, là, c'est comme ça. Hein? Nous venons tous à l'église. Mais ce n'est pas tout le monde qui est sauvé, qui sera sauvé. Je ne suis pas en train de vous choquer. Hein? Ça va dépendre de comment tu as marché, Dieu. Amen. Amen. 2016, là. Nous sommes en train de rentrer en 2016. Mais ça dépend de ton sérieux. Ce que tu as fait là, ce qui t'appelle Dieu là, c'est en fonction de ça, Dieu va te bénir. Donc, faut commencer à préparer ça. Tout se prépare. Non, tout se prépare. Tu as dit. C'est pour ça qu'en 2031, il y a tellement de choses que je vais vous apprendre. Amen. Il y a trop de choses qu'on a besoin de connaître. Oui. Il y a trop de choses qu'on a besoin de connaître. Tel que le jour apparaît. Tel que. Il y a trop de choses. Si vous maîtrisez l'espace, là, votre environnement, vous allez gagner. Parce que la première des choses que vous devez maîtriser, c'est votre environnement. Parce que pour vous avoir, c'est votre environnement. Si votre environnement est infecté, vous serez infecté. Donc, vous devez assainir votre environnement. Quels sont ceux qui sont dans ton environnement? Qui marche avec toi? Qui est avec toi? Qui est dans ta maison? Donc, il faut d'abord assainir ton environnement. Et c'est d'abord spirituel. Quelles sont tes fréquentations? Tu fréquentes qui? Donc, c'est vrai qu'on a fait des dégâts en 2016, c'est tout à fait normal. Qu'on marche, on arrive à trébucher. Jésus même l'a fait. Il n'a pas dit aller pécher, mais il a trébuché. Dans les moments difficiles. Amen. Amen. Donc, maintenant, nous devons réfléchir. C'est 2016. Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi en 2016? Amen. Amen. Qu'est-ce que tu crées autour de toi pour que Dieu te bénisse en 2016? Il faut réfléchir à ça. C'est comme un enfant. L'enfant, mais elle en grossesse. Et puis, c'est. À l'hôpital, on dit, madame ou monsieur, où est Pagne? Mais j'ai oublié. On va pas le gifler. J'ai l'argent, mais j'ai oublié. Mais tu n'as pas gardé un peu? Non. C'est un idiot. Ce monsieur-là, c'est un idiot. Il ne va jamais bien éduquer l'enfant. Parce que Dieu me prend le sang et dit, un mois. Tu sais que c'est un mois, deux mois. Neuf mois, Zadi, ta femme va accoucher. Ça veut dire qu'il faut préparer ce trousseau. Puis tu vas demander à la femme, j'ai oublié. Je ne sais pas. Dans l'oreille, tu as oublié. Même Jésus m'a fait 9 mois dans le ventre. Donc, ça fait 1 mois, 2 mois. Tu dois te dire un enfant doit venir. Il vient comment? Dans quel environnement? Comment? Oh, c'est ça un peu notre nature en tant que noir. On vit le jour le jour. On n'est pas, des futuristes. On n'est pas rêvés. C'est maintenant là. C'est là qu'on a l'argent, on bouffe ça maintenant. Et puis on attend. Quand on a demain, on mange pour demain. On attend. Et c'est dangereux. Tout se prépare. Ce qui tu veux être demain là, dépend de toi. Ça ne dépend pas de moi, hein. Ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Tu as quoi? Amen. Amen. 2016 arrive, toi tu veux faire quoi? Non, c'est-à-dire, bon, est-ce que si je pouvais, si je faisais taxi, c'est pas bon taxi. Bon, si je faisais. Tu n'es pas un rêveur. Amen. Alléluia. Amen. Déjà, le rêve commence déjà quelque part. Et 2016, c'est une année de surplus, de plus plutôt, qui vient entrer dans l'accomplissement de ton rêve. Donc, c'est une étape. J'ai commencé un rêve en 2016, en 15. Donc, en 2016, voici ce que je dois faire pour que ça rentre totalement dans l'accomplissement. Bon, si je n'ai pas pu faire ça en 2016, 2017, ça doit s'accomplir. Donc, je me bats. Et je crée les conditions. Il faut créer les conditions. Lui, là, quand il marche là, lui, il mange tout mon argent. Depuis le réel. Il bouffe mon argent. Donc, ça dit, pardon, tu sais, j'aime trop le crédit. Il faut quitter derrière moi. C'est à toi, ils ont trop le crédit. Pourquoi? Tu sais, il y a crédit, hein, ok. Ma femme m'a accouché, il faut que tienne. Crédit, 4 fois. Et non remboursable. Même banque, là, même fait des prêts, tu rembourses. Amen. Donc il y a tout ça. Tu crées quoi? Quelles sont les conditions? Parce qu'un enfant en train de naître, il y a des conditions pour recevoir l'enfant. Il y a un berceau, il y a un minimum. Toi, tu as quel minimum pour accueillir 2016? C'est ça le problème. Janvier! Bonne année! Bonne année! C'est des comédiens. Et vous verrez ça dans la rue. Moi, c'est depuis ce temps, moi, ça me fait rire. Bonne année!
Bon, prospérité. Santé. Ah, mais le sang est saoulé. Il est saoulé. Santé. Ah, il rote. Odeur de pied. Donne-moi le ramadan à Kanevo. Non, 1er janvier, passez vers 8h dehors. Vous allez voir. Donne-moi le prince. Je viens. Il est saoulé. Je viens. C'est le 3 là-bas, il se réveille. Dans les vomissures. J'ai fêté, hein? Tu mens. Ça va fêter. Ces malédictions, tu as envoyé en 2016. Les gens sérieux préparent ça spirituellement. Amen. Si Dieu m'a donné 2016, amen. C'est tout. Je dois, c'est un challenge. Je dois relever le défi. Ils sont au cœur de moi en 2015. Il y a des gens qui ne veulent pas, qui se trouvent là. Non, ça là. Parce que la Bible dit avec Dieu, nous ferons des espoirs. Qui est en combat en 2016? Amen. Amen. Il faut que Jésus soit dans la barque. Que Jésus t'accompagne en 2016. Donc ça se prépare. Il faut l'inviter, Jésus. Sachez inviter Jésus. Jésus. Oh, Jésus. Donc, ça se prépare. Dès ce soir, vos fréquentations, vos histoires de durée dehors, doivent se limiter. Vous devez commencer à préparer la chose. Doucement. Doucement. Vous dites, les soirs, vous réfléchissez réellement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Si ça, monsieur, madame, vous asseyez, vous pouvez même sortir, c'est-à-dire en 20 minutes, bien sûr, vous partez dans un restaurant, vous réfléchissez, vous parlez entre vous, vous échangez des choses, j'aimerais, vous arrangez les choses, désormais, voici. Amen. Tout se prépare. Ce n'est pas à partir du 1er janvier, on va commencer à préparer les choses. Non, tout se prépare. S'il y a des choses qu'on doit faire déjà en prière, on commence déjà en prière. Mais à partir de minuit, on commence déjà à parler. Donc, peu importe, mais au moins 15 minutes, c'est bon. Amen. On commence à parler en 2016. Ce projet-là, il n'a pas abouti en 2015. Tu as abouti en 2016. Amen. Parce que Dieu, je l'associe à ce projet. Dieu, je t'associe à ce projet. On a démarré le projet. Ça n'a pas abouti. Mais voici une année. T'associer à ce projet. Je dois finir ma maison. Amen. 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 Seigneur, tu vois, les gens viennent éveiller. J'ai vu. Il n'y a pas de pleurer. Seigneur, je vis. Tu pries avec une prière d'autorité. Amen. Je vis. Mes petits enfants sont en train de se marier. Mes petites filles. Que moi, je suis là. Il n'y a pas quelqu'un. Le monsieur, il doit me marier.